Donc pour allumer la console, c'est le bouton, au lieu que ce soit le bouton PS, c'est le bouton Xbox. Et ensuite A pour valider. Ensuite pour surfer dans les menus, c'est ça. Voilà, alors je regarde. Non, ça ne fait rien. Donc j'y vais. Et A pour lancer le jeu. Voilà. LSP, je sais pas ce que c'est. On va voir ce que ça fait comme touche dans les jeux, puisque évidemment, par rapport à l'autre, qui est compatible, bah, c'est pas dur. Oh, j'ai perdu la vis. Qui est compatible, vous voyez, vous avez les touches. Donc c'est très facile de se repérer avec les touches. Là, il faut juste trouver les correspondances. Alors, il y a un petit truc derrière le volant. Voilà, qui vient se fixer ici à l'arrière là. Et pof. Et donc à l'intérieur de ça, vous avez une clé pour une clé et la vis pour fixer votre volant. Donc voilà la clé. La clé. Voilà, c'est pas bon. Si vous avez une clé, c'est peut-être mieux parce que c'est vrai que elle est plus, voilà, c'est plus difficile de fixer son volant parce que voilà, ça touche, c'est pas évident. Mais bon, c'est bien parce que du coup, c'est pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre clé dans la poche. Elle est fixée sur le volant et à l'intérieur de cette petite boîte, il y a aussi la vis. Voilà, là-dedans, il y a la vis et la clé et ça se met. Juste derrière le volant, là il y a un petit trou. Bon là du coup, maintenant qu'il est fixé, c'est plus dur, mais et voilà, donc on va voir. Alors si je fais A, qu'est-ce que ça fait? Ok. Je vais faire un contre-la-montre. Tant qu'à faire, on va prendre une McLaren. On va prendre quoi? On va prendre. Suzuka. Pif. Paf. Et McLaren. Moi, je joue pas souvent avec la McLaren. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais. Je l'ai. Alors, la McLaren, elle est là. La 650. Ta-la-la-lam, pam-pam, hop.
boîte manuelle, on va voir ce que ça donne. Ah, je m'y fais pas, hein. Ça colle. Je sais pas, c'est bizarre, ça colle. Je vais le nettoyer. C'est pas agréable, quoi. Vraiment bizarre. Je vais essayer de voir un petit peu au niveau des menus ce que je peux faire, la vue et tout ça. On va démarrer direct. P. Bon bah P déjà, c'est sortir, c'est les menus. N. Ah, les boutons sont durs, hein. Ouais, N, c'est. C'est share, c'est la touche share. Et donc la vue. Alors, ça c'est B, la vue Y, ouais, c'est X. Voilà, on a le volant, regardez. Voilà, on a le volant là. Donc pour passer les vitesses, c'est les palettes orange. Qui font un clic très très sec. Pratiquement pas de retour de force. Alors déjà, on sent du retour de force que sur les vibreurs. Vous voyez là, on sent rien du tout, c'est tout mou. Donc il va falloir faire un réglage.
Bon, vous voyez que ça fonctionne. Alors, moi, je me fais pas au caoutchouc. Voilà, c'est collant. Voilà, là, ça colle aux mains. Donc, bon, il faut s'y faire. Ces boutons-là, ils servent à rien. Ça non plus. Ça, c'est la vue, le X. Ça, c'est la marche arrière, le Y. Et les clics, là, les clics de la boîte. Vous voyez, voilà ça, les clics, c'est sur la partie shifter sur le volant. C'est du métal, c'est la partie orange, ça fait un petit clic, regardez. C'est un clic assez sec, c'est pas super agréable. Je trouve que le volant, là, celui-là, il est super agréable. Le clic, il est top sur ce volant-là, il est vraiment top. Mais après, c'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Là, c'est un clic très sec, ça fait cac, tac, tac, très très court. Très court, ça fait tac, 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 tac. Voilà, donc bon. Au niveau du retour de force, honnêtement, à part les vibreurs, on ne sent rien du tout. Alors, je pense qu'il faut monter le retour de force. Donc, 7-1. Donc là, regardez, je suis en auto. Feedback 100. Choc 100, je vais monter, je vais mettre de l'ABS moi. Voilà, hop, drift, on va le mettre en off. Mais sinon, on peut le mettre en moins 5. Je sais qu'en moins 5, ça renforce l'effet, mais bon, pour l'instant, on le met en off. Et force, c'est là où il faut jouer, il faut le mettre à 80, je pense. Voilà, on va essayer comme ça. Voilà, on sent un peu plus. Mais bon, après, c'est pas sur Gran Turismo qu'on teste voilà, la qualité du truc. On va essayer sur GT sur Assetto Corsa. Puisque là, sur GT Sport, honnêtement, les sensations. Donc voilà pour ce premier essai de ce volant McLaren GT3 de Fanatec. Donc bon, c'est à essayer sur Assetto Corsa et sur PC. Donc moi, je vais partir là quelques jours en congé. Et donc je vais essayer tout ça sur mon triple écran en Normandie. Et donc là, on aura un retour beaucoup plus précis puisque je vais le brancher sur ma base Club Sport. Voilà, et je pourrai comparer entre la roue Porsche et cette roue. Et je vais jouer du coup à Project Cars 2 et Assetto Corsa sur PC, qui sont des simulations beaucoup plus pointues que GT Sport. Voilà, donc du coup, on aura un vrai retour par rapport à ce volant. Sinon, il fonctionne. Je l'ai branché sur la base qui a été mise à jour ce matin. Il a été reconnu immédiatement. Les points positifs, il est plutôt joli. Le carbone, c'est sympa. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, les points négatifs, vous voyez, je viens de mettre ma main dessus. La main se colle. La main colle. Voilà, donc moi, je ne transpire pas des mains. Mais c'est du caoutchouc collant. Donc c'est bizarre. Je vais mettre un coup d'éponge, mais je suis sûr que ce n'est pas la salissure, puisqu'il est tout neuf. Et on sent bien que c'est la qualité du caoutchouc qui fait qu'on a l'impression que ça colle. Alors c'est peut-être voulu pour que la main soit bien bien collée au volant. C'est peut-être volontaire. Mais moi, je trouve ça désagréable quand la main colle comme ça. Donc voilà, j'ai pas cet effet-là sur le volant Porsche qui est en cuir et sur la petite roue CSLI d'origine où le toucher est super agréable. C'est un petit peu troué. Vous voyez, c'est perforé. Vous voyez, cette partie-là, elle est perforée. Et donc ça, c'est super agréable au toucher, c'est vraiment super sympa. Là, franchement, c'est pas du tout agréable au toucher, franchement. Donc voilà, après au niveau du retour de force, je trouve que c'est un peu léger, c'est-à-dire peut-être que c'est peut-être le fait qu'il soit plus léger, mais bon, finalement, il n'est pas si léger que ça.
Mais en tout cas, les retours de force, on les sent pas super forts. Voilà, faut monter un peu plus le retour de force sur ce type de volant. Voilà, bon. De toute façon, je vais quand même monter mon quick release dessus, puisqu'on me l'a offert, autant que je le monte. Et puis surtout, ça me permettra de plus facilement changer sur mon châssis en Normandie, de changer entre ma roue Porsche et cette roue-là. Ça ira plus vite pour faire les essais. Voilà, donc prochaine vidéo avec ce volant sur le triple écran et sur des simulations un peu plus pointues que GT Sport. Voilà, à bientôt!